les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, bah, ça va super bien. Hein. Je suis rentrée hier de mon week-end entre copines. La vidéo budget sortira un petit peu plus tard que d'habitude, bah, tout simplement parce que je suis rentrée, j'ai retrouvé mes amours. Et puis voilà, ce matin, je me suis levée plus tard. Et puis, bah, c'est la vie aussi. Mais j'ai des vidéos d'avance, mais je voulais faire... J'aime bien que ma vidéo du budget sorte le dimanche, donc je préfère qu'elle sorte un petit peu plus tard. Mais qu'elles sortent quand même. Donc, on va faire un point, comme d'habitude, sur ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Alors, on va commencer par... je vais grossir un tout petit peu. Voilà. Par l'alimentation. Donc, on s'était arrêté la dernière fois. Vous savez que je suis allée à Picard. C'était super. Ensuite, j'ai fait des courses à l'Intermarché puisque Tristan a eu un pique-nique avec son école. J'ai acheté du pique-nique et puis un petit peu du quotidien. Donc, on en a eu pour 30,29 €. Et puis après, ben, en fait, comme on avait fait des petites courses, pique-nique, ben, notre semaine, elle a été un petit peu divisée. Donc, ben, on a fait un petit peu de courses chez Leclerc et un petit peu de courses à l'Inter. Donc, au final, il nous reste 329,25 €. J'avais fait des courses dont je vous ai parlé parce que le 8 et 9 à l'Inter, il y avait un bon de 5 € si vous faisiez vos courses ce jour-là. Qui avait 50% de crédit en avantage car sur le café. J'ai fait une commande spécifique, j'ai commandé 8 articles. J'ai eu 8 articles manquants, donc la commande a été purement et simplement annulée. Je vous ai mis une petite copie du mail que j'ai reçu. Bah, franchement, pff, sans commentaire. Comme je disais à Kevin, je veux retenir que le positif. J'ai pas envie de me prendre la tête sur l'annulation de l'Intermarché, tant pis, c'est comme ça. Je veux garder le bénéfice de mon week-end d'entre filles, donc je vais pas, j'ai pas envie de pester, de râler comme d'habitude. Mais vous vous doutez bien que je n'en pense quand même pas moins au niveau donc de mes enveloppes. Alors, il s'est passé pas mal de choses. On s'était arrêté la dernière fois, j'avais acheté du muguet pour le 1er mai. Donc ensuite, je me suis lancée dans des achats cuisine puisqu'on va On va redonner un coup de jeune, si vous voulez, à la cuisine. Donc, on va la peindre, on va changer le plan de travail. Enfin, changer le plan de travail. J'ai eu une idée. J'ai jamais vu ça sur Internet tourner. Que nous, on a un plan de travail en carrelage qui a été repeint. La peinture, elle est explosée, défoncée, elle est craquée. Elle est vraiment, c'est mon plan de travail, il est horrible. De toute façon, je vous ferai une vidéo avant après. Vous allez dire, ouais, Sandra, t'avais raison. Un peu comme, vous savez, les dalles extérieures que je voulais absolument nettoyer. Je pense que le avant après, vous avez dû vous dire, ouais, elle avait raison, Sandra. Un peu comme ma table de salon de jardin. Je vous ai montré l'ancienne et la nouvelle. Je pense que, en général, quand je change quelque chose, c'est que c'est nécessaire. Donc, on va lui redonner un coup de frais, si vous voulez. Et ben, je vais chercher plein de choses pour refaire la cuisine, en sachant que moi, ça fait assez longtemps que je mettais de côté pour... parce qu'on avait pour objectif de la refaire complètement. Mais avec nos déboires de voiture, on ne savait plus où on en était financièrement. Donc, au final, on a tranché, on s'est dit qu'on allait lui redonner un petit coup de jeune et qu'on ferait plutôt la salle de bain après. Ce sera le gros projet rénovation, grosse rénovation. Et en fait, tout ça pour dire que j'avais plus de 800 € sur ma petite épargne, parce que mine de rien, 50 €, 70 €, ben, au bout d'un an, un an et demi, ben, ça fait quand même des sommes. Donc, je me suis servie de mon épargne cuisine pour faire tous ces petits achats. Donc, alors à chaque fois, je n'ai pas forcément détaillé, hein, donc j'ai fait achat cuisine, je ne sais plus ce que c'est. J'ai acheté de la peinture, c'est assez cher, hein, j'ai pris de la V33 spéciale rénovation cuisine. Peinture que j'ai déjà utilisée pour repeindre notre cuisine il y a 9 ans. Et franchement, évidemment, hein, la peinture a fait son temps, mais elle est vraiment super courante. J'adore cette peinture. J'ai dû acheter des accessoires bah, pour peindre, des pinceaux, des trucs comme ça. J'ai acheté des petits luminaires parce que je trouve que ça manque de luminosité dans la cuisine. Je vais refaire l'évier. Donc ça coûte assez cher, la peinture spécifique pour tout ce qui est bah, évier, baignoire, etc. J'ai acheté des petits accessoires pour la cuisine, un tiroir, enfin bon, 2-3 petits trucs. Et là, vraiment, les achats cuisine sont clôturés, terminés. Donc j'en ai eu pour... 330 €, 331, enfin bon, je vous ferai une vidéo avec tout le détail une prochaine fois, sur 800 €. Donc, le reliquat va être placé sur un compte. Ça sera encore l'objet d'une autre vidéo. Donc, je suis hyper contente. J'attends pour pouvoir vous faire la vidéo parce qu'en fait, à ce jour, j'ai toujours pas reçu tous les colis. Donc, je vais vous faire une vidéo avec tout ce que j'ai reçu et pas 3 articles par 3 articles. Voilà, pour le côté cuisine. Et puis ensuite, on passe à mon week-end avec mes besties, quoi, mes meilleures copines. Donc, on est allé à Saint-Germain-en-Laye, c'est en région parisienne, dans le 78. C'est vraiment une ville magnifique, un parc, franchement, mention spéciale au parc de la ville, hein, qui est extrêmement bien entretenu. Honnêtement, on se croirait à Versailles. Hein.
des petits trucs, plein de commerces, hyper vivants, une place. En plus, on a eu de la chance quand on y allait, c'était le marché. Donc, on allait flâner au marché, et apéro, et restaurant, et blablabli, et blablabla. Enfin, un truc de fille, quoi. C'était top. Je vous ferai une vidéo. J'ai fait plein de petites images. Bon, par contre, vous ne verrez pas la tête de mes copines, hein, évidemment. Donc, pour la jouer courte, parce que je vais vous faire une vidéo sur ce sujet-là, j'ai mis en fait 4 et 6, c'est le nombre de dépenses que j'ai faites. Donc, j'ai acheté mes billets de RER, j'ai dû aller aux toilettes à Gare de Lyon, chlorée de pipi, j'ai dû m'acheter, comme ma mère m'a emmené en gare, je lui avais payé un cappuccino, etc. Ça, c'est les petits à côté, donc il y en a eu 4. Et puis, tout ce qui est resto, il y en a eu 6. Hein. Il y a eu un petit déj en terrasse. Et puis, de toute façon, c'était ce qu'on s'était dit. C'est un week-end détente, décompression. Donc, il est hors de question qu'on aille au Monoprix du coin, s'acheter une barquette de taboulé, faire des œufs durs, une petite salade de tomates. La cuisine, elle était plus propre quand on est parti, quand on est arrivé. On n'a pas fait à manger du tout. On a fait que des restos, voilà. Et puis une fois, on a mangé dans le parc, mais on avait pris à emporter. Tout on a pris dans un resto. Donc voilà, moment mémorable, à graver vraiment dans le marbre. Ça nous a fait un bien fou, c'était trop court, donc on s'est dit qu'il faudrait vraiment qu'on réitère ça plus souvent. Et on partait déjà dans nos délires. Ouais, l'année prochaine, on laisse les enfants, on part pas 2 jours et demi, on part une semaine à Mykonos. Donc, on était un peu dans nos projections. Bien évidemment, attendez, je suis en train de dire, c'est pas 4, c'est 5. Là, j'ai une dépense qui vient de me revenir en tête. Excusez-moi, parce qu'on a fait un euro million que j'ai passé dans ma tête. Je me suis dit que ça passerait sur mon compte courant. Mais non, c'était un euro million en groupe. On était dans l'esprit, ouais, on va gagner, on va investir. Évidemment, on a perdu. Enfin non, j'ai gagné 6,10€, mais on a joué 5€. Donc, bon, on a gagné 1,10€. Voilà. Et comme c'était sur mon compte français des jeux, je vais peut-être pas diviser 1,10€ en 3. Voilà. Donc, c'était un super moment. Et ces dépenses-là ont été prises donc sur mon épargne, B6. Alors, toutes ces dépenses-là, les 11 dépenses qui ont été faites pendant ce week-end, la totalité m'a coûté 183,20€. Donc, moi, je trouve que c'est raisonnable. Donc, vous savez que j'avais fait une épargne spécifique pour ce fameux week-end. J'avais 800€, mais j'avais plus au mois d'avril. Et en fait, sur la totalité de ce week-end, m'est revenu à les 183,20€ dont je viens de vous parler, plus 98€ au niveau du train. Je suis partie à l'aller en Ouigo. J'avais jamais pris le Ouigo. Franchement, c'est très, très bien. Le Wi-Fi a marché parfaitement. J'étais à l'aise, et puis au retour, petit luxe, j'ai voyagé en première, en plus place solo, donc j'avais personne à côté de moi. Oh, le retour s'est fait de A à Z, ça s'est fait en beauté, enfin non, je vous raconterai la petite épopée au niveau du RER en arrivant, mais bon bref, ça a coûté 280,20€, moi je trouve que c'est raisonnable quoi, puis il y a quand même attendez, j'ai oublié le Airbnb là-dedans. Est-ce qu'il y a aussi... Non, j'ai oublié. Ouais, voyez, en vous parlant, bah oui, qui m'a coûté... allez, je vais mettre 100. Ça devait être 102, enfin voilà. Donc, ça m'a coûté plutôt 381,20€. Et donc, voilà, là, j'avais mis le reliquat. En fait, je voulais vous expliquer qu'aujourd'hui, il me restait 616€. Mais donc, je corrige en même temps. Hein, c'est pas 616, c'est 516€ qu'il me reste. Voilà, donc, écoutez, il me reste 500€ à placer. Moi, je vous avais dit, j'étais partie dans mes... Vraiment, je pensais qu'on allait partir dans une capitale européenne quand on en a parlé l'année dernière. Enfin, ouais, il y a largement plus d'un an. Et puis, en fait, j'avais budgétisé beaucoup plus, quoi. Donc, écoutez, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste une belle somme à placer. Voilà. Et puis, au niveau donc, des autres dépenses, il ne s'est rien passé du tout parce que je n'ai pas dépensé. J'ai acheté mon parasol, je me suis fait mon plaisir du mois chez Timo, j'ai passé une commande. Je l'ai reçu d'ailleurs en rentrant hier, donc la vidéo tardera pas à sortir. Tout en sachant que je crois que demain, vous allez avoir une vidéo Timo, un colis que j'ai reçu. Mais c'était pendant mon mois de débauche au niveau des achats chez Timo, c'était au mois d'avril. Et je l'ai tournée il y a longtemps cette vidéo, mais bon, il faut qu'elle sorte, donc vous verrez ça. Et puis au mois de mai, pour l'instant, j'ai fait une seule dépense chez Timo. Et ça fait partie de mes objectifs du mois, n'acheter qu'une seule fois
voilà, sur ce site-là, mensuellement, dirons-nous. Voilà, il y a eu les photos, et puis il y a eu Amazon, je vous ai fait filmer la vidéo, hein, je me suis acheté des choses dont j'avais besoin pour ce mois-ci. Donc on va faire le petit bilan, donc là, il va y en avoir des cases à cocher, hein, je vous raconte pas, je ne sais même pas si j'aurai assez de place sur mon tracker. Allez, 1, 2, 3. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 5, 14 et 6, 20. Voilà. Et bien, il y a eu 20 dépenses, puisqu'au niveau des autres dépenses, il n'y a rien eu. Donc, on va cocher 20 cases. Punaise. Bon, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et puis, je vais rajouter plus 2 euros. Je le cocherai la prochaine, quand j'aurai tout effacé. Donc, j'ai atteint 402 euros dans mon épargne. Mon petit défi virtuel des 2 euros. Bah, je suis super contente. Hein. C'est symbolique, là. J'ai dépassé les 400. Ça commence à faire un joli petit magot. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser parce qu'il est 9h25 et à 11h, mon beau-frère vient nous chercher puisque nous partons fêter l'anniversaire de ma belle-mère et que nous n'avons toujours pas de voiture. Donc, mon mari va y aller avec sa voiture et puis mon beau-frère va m'embarquer avec les enfants. Il faut mettre les sièges auto parce qu'évidemment, bah, lui, il n'a pas d'enfants. Voilà, enfin, en tout cas, en âge de... Il n'a plus d'enfants, en tout cas, actuellement, à véhiculer. Donc voilà, il va falloir que j'aille me doucher, me préparer, les enfants sont prêts, ça c'est déjà bien. Et puis, ça va être encore... oh là, par contre, niveau rééquilibrage, vraiment, là c'est la catastrophe parce que bah, j'ai pas du tout... c'était vraiment un week-end plaisir là, donc j'ai pas du tout compté et j'en suis... j'ai aucune culpabilité. Et puis à midi, rebelote chez mes beaux-parents. Donc dès demain, on va entamer comment dire? On va vraiment repartir sur de bonnes bases parce que là, on arrive quand même dangereusement sur mi-mai. Hein, et j'aimerais quand même atteindre mon objectif. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous avez profité du beau temps. Enfin, en tout cas, qu'il a fait beau chez vous. Nous, la journée s'annonce radieuse. Il y a un grand soleil dehors. C'est vraiment c'est super plaisant. Donc, je vais aller tout de suite me pomponner et puis je vous donne rendez-vous comme d'habitude très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros gros bisous. À la bientôt. Bye bye.